Non, mais là aussi, c'est trop facile, quoi. Là, il y a vraiment un côté, je tire sur l'ambulance. Quand je fais des vidéos sur Dologu, à la limite, c'est d'homme à homme. Mais là, c'est trop facile. Il n'y a aucun esprit chevaleresque. Alors, je me suis quand même demandé quel âge il pouvait avoir. Parce que ça se voit qu'il est jeune, mais quel âge il peut avoir, Manes Nadel, président de l'Union syndicale lycéenne? Il a 17 ans. C'est-à-dire que le gars, tu vois sur la photo là, il a 17 ans. Alors tu peux te dire, oui, mais la photo, c'est un tiré d'un article, peut-être qui date, etc. Ok. Bim. 27 août, hier. Ça a 17 ans, ça. Ça a la tête d'un gamin qui est en cinquième. Je suis désolé. C'est impossible qu'il ait des poils os boubes. Tu vas pas me faire avaler que ce gars a des poils os boubes. La dernière fois qu'il a dû toucher une tuche, c'était avec ses deux oreilles. C'est la foufoune de sa maman. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et ce gars-là, il appelle à la révolution. Hein, il dit on va marcher dans la rue, on va se combattre contre des fachos et tout. Mais mec, t'as même pas de poils os boubes. T'es vierge, qu'est-ce que tu vas faire? Ces gens pensent être des chevaliers, mais c'est un problème, quoi. Eh oh, faut redescendre. À un moment donné, faut redescendre. Ces gens-là, le problème, c'est que ils vivent dans une utopie. Enfin, c'est-à-dire qu'ils appellent à la révolution permanente, etc. Et il n'y a pas de réponse en face. La droite passe son temps à être insultée. On crache sur la droite, etc. Et on fait rien. On est juste là. Non, mais regardez, les méchants, c'est eux, etc. Donc, si tu veux, eux, ils sont dans la rue, ils sont tout seuls. Donc forcément qu'ils sont là en train, ouais, nous, on est les plus forts, etc. Il n'y a pas de réponse en face. Le jour, parce que le vent va forcément tourner. Le vent tourne toujours un jour. Hein. L'URSS est tombée. Tout s'écroule un jour. Ok? Il n'y a rien qui est éternel. Rien qui est éternel. Le jour où le vent va tourner, et j'espère de tout mon cœur être encore en vie et voir ça de mes yeux, le jour où le vent va tourner, mais mec, mais ça va pas bien se passer, quoi. T'as aucun gramme de testostérone dans ton sang, c'est pas possible. Et le gars t'appelle à faire la révolution, à marcher dans la rue, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bref. Il y a tout un tas de vidéos, on va les regarder, mais je trouve ça, quoi, c'est incroyable. Mais regardez-moi le pélo, quoi! Regardez-moi ça! Ça appelle à faire la révolution! Mais on est où, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bref. C'est très simple, on appelle à descendre dans la rue, or on ne l'a pas fait depuis 6 semaines et ça fait déjà 6 semaines qu'il y a un gouvernement démissionnaire pour protester contre ce qui se profile et c'est ce qui s'est officialisé par le communiqué de presse du président de la République hier, c'est-à-dire le refus pur et simple de nommer la coalition arrivée en tête, le nouveau Front Populaire, en siège en tout cas, à Matignon. Et donc pour nous c'est un déni évident de démocratie, c'est une forme de coup de force contre le vote issu des urnes et issu d'une mobilisation exceptionnelle avec un taux d'abstention très bas qui a fait reculer le Rassemblement national. Donc on va certainement... Non, ce qui a fait reculer le Rassemblement national, c'est que t'as magouillé avec Macron. Voilà. T'as magouillé avec Macron. T'as retiré tes candidats, il a retiré ses candidats. Voilà. Donc là, Macron, il est en train de magouiller avec les autres. Mais là, t'aimes plus. C'est-à-dire que t'as fait le castor. Voilà. T'as fait barrage. Et ben là, tu es en train de te manger le barrage. Mais là, ça, ah non, ça t'aime pas, non. Pas accepter ça. Nous avons appelé hier avec l'Union étudiante à une manifestation, effectivement, le 7 septembre. Cet appel a été rejoint, vous dites, par la France insoumise, c'est vrai, mais il a aussi été rejoint par le planning familial, à l'instant par les jeunes écologistes, et j'espère vraiment qu'il sera rejoint par énormément d'organisations attachées à la démocratie dans notre pays. La gauche et la démocratie. Alors, vous parlez d'un coup de force hein, d'Emmanuel Macron, vous y allez fort. Un coup de force, c'est quoi? C'est un putsch Moi, ce que je comprends pas, c'est que comment on peut... Il donne la parole au gamin, quoi. Et toi, est-ce que t'as quelque chose à... Mais qu'est-ce qu'on... Mais ça n'intéresse personne, ce que Madès, je sais plus quoi, là. Qu'est-ce qui se... BFM TV qui donne la parole au... Mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi? Et toi, hein, après avoir mangé tous tes bonbons, est-ce que t'as un truc à dire sur Macron? Mais sincèrement, on est où là? D'Emmanuel Macron contre les valeurs démocratiques pour vous?
Eh bien, écoutez, si vous m'avez invité pour que je corrige les mots que j'ai utilisés, je pense que c'est pas la peine. J'ai dit coup de force parce que c'est coup de force, je n'ai pas dit putsch parce que ce n'est pas un putsch, je n'ai pas dit coup d'État parce que c'est pas un coup d'État. En l'occurrence, à mes yeux, et je pense que je suis pas le seul, je considère que lorsque le peuple, dans son expression, par les urnes, par des élections qui ont été convoquées par le président de la République, s'exprime, sa voix doit être entendue. Et si l'on considère que la coalition qui factuellement est arrivée en tête n'a pas les capacités de gouverner, alors on ne fait pas des plans sur la comète comme le fait Emmanuel Macron, on ne fait pas des espèces de prospection sur qui va poser une motion de censure, quand, etc. On laisse la démocratie dans ses règles les plus classiques se mettre en place, et donc on nomme le nouveau Front Populaire à Matignon, et on le laisse tomber face à une motion de censure si on pense qu'il va tomber. Mais on ne fait pas ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire une espèce de manœuvre politicienne qui depuis 6 semaines, et je le dis parce que c'est important en tant que syndicat lycéen de le dire, qui depuis 6 semaines a empêché les lycéens d'avoir accès à une politique éducative cohérente qui leur permette d'étudier sereinement. On a eu une conférence de presse de Madame Nicole Belloubet aujourd'hui qui a annoncé des mesures qui sont par nature illégitimes parce que ce gouvernement est démissionnaire. Ouais. Et ça pour nous, c'est très choquant. Et c'est aussi ça que, contre lequel on veut manifester. Je ne sais pas si vous aimez déjà que les syndicales, enfin que les syndicalistes en règle générale, c'est bon. C'est tous des infâmes gauchistes, bien sûr, mais là, il y a un syndical des lycéens, mais mec, t'as pas autre chose à faire. Sincèrement, t'as pas autre chose à faire, tu veux pas essayer de draguer des filles, tu veux pas faire des soirées, tu veux pas passer ou étudier. Non. Il passe sur BFM TV pour dire que... Mais mec, mais dans quel monde tu vis, ma grande? Ce qui s'est officialisé par le communiqué de presse du président de la République hier, c'est-à-dire le refus pur et simple de nommer la coalition arrivée en tête, le nouveau Front Populaire, en siège en tout cas. Bon, ça on l'a déjà vu. Alors, ok, donc il y a plein de vidéos, mais c'est les mêmes. Ok, qu'est-ce qu'il raconte? Un coup de force, c'est quoi? C'est un putsch. Ok, donc ça on l'a déjà vu aussi. Cible cohérente qui leur permettent d'étudier. Ok, alors il a partagé 40 vidéos, mais en fait c'est la même vidéo quoi. Siège en tout cas, à Matignon. Eh, en belote. Il a même partagé ça. Il a son petit quart d'heure de gloire. D'Emmanuel Macron, vous y allez fort. C'est un putsch, allez, c'est bon, on l'a vu. Ah ça, il a carrément... attendez. La date de quand, cette vidéo? Le 17 juin. Alors, juste pour se régaler. Mais mec, mais regarde ça. Regarde ça. Qu'est-ce que... Ils sont là, ils sont en train de regarder un... Nous serons derrière chaque barricade, dans chaque manifestation. Nous serons derrière chaque barricade, chaque manifestation. Il y a du vent, Il vole. Qu'est-ce que tu nous racontes? Pour les y pousser. Ils pensent vraiment être des chevaliers. Ils pensent vraiment être... Vous n'êtes pas les chevaliers que vous pensez être. Sincèrement. Vous n'êtes pas les chevaliers que vous pensez être. Si. Nous nous sommes reconnus dans ce programme. Et c'est pour ça que nous rejoignons le Front Populaire. Mais il faut le respecter. Il faut le mettre en œuvre. Si. Vous oubliez la Kanaki, si vous oubliez la Palestine, nous ressortirons dans la rue. Parce qu'en Palestine, un génocide est encore en cours aujourd'hui. Parce que des enfants se réveillent chaque matin avec leur famille qui meurt broyée sous les bombes. Ok, d'accord, mais sinon, et puis dans... Puis en Arménie, non, ça t'intéresse pas, là, non? Bah pourquoi? Non, parce que des enfants qui se réveillent avec des bombes, bah en Arménie. Mais pourquoi pas l'Arménie en fait? Ah, peut-être parce que c'est pas le bon. Ah oui, parce que là, les méchants, c'est ceux que tu défends. Ah ok, d'accord, ok. J'avais pas compris. Ok, pardon, excuse-moi. Ok. Donc forcément, les méchants, c'est les mêmes. Et les gentils, c'est les mêmes. Ok, d'accord. Excuse-moi. Continue. Le Front Populaire devra reconnaître dès le premier jour l'État de Palestine. Qu'est-ce qu'on a rien à secouer, c'est un truc de... Et là, c'est 10 000 ondes. Hein. Mais là, c'est 10 000 ondes. Moi, bon, j'ai même pas envie de continuer, ça me donne... Non, ça me donne mal au ventre. Mais c'est complètement incroyable, mais... C'est un coup de force, c'est quoi? C'est un... C'est compliqué, parce que je peux pas m'exprimer à 100%, mais... Quand le vent va tourner, mais ça va swinguer, quoi. Il fait 40 kilos, il a pas un poil... Au niveau du zboub, il est en train de te parler de barricade. Mais dans quel monde tu vis? Arrête de jouer à Call of Duty, tu racontes quoi là? C'est insupportable, mais c'est... 17 ans...
Bon bref, j'arrête de tirer à boulet rouge sur un gamin, ça sert à rien. Allez, ciao.